Alors, ouh, il a l'air d'y avoir des choses ici. Ouh, ouais, il y a des choses ici. Alors, il y a. Je vois rapidement, voilà, trois boss à tuer. Faire exploser les grenades. Donc, ça, voilà, ça a l'air d'être une interaction. Et il faut que je tue 12 et 25 mobs. Bon, on va commencer par les boss, mais et puis on fera une coupure pour. D'accord, ok. Alors par contre, il y a l'air d'y avoir du entre guillemets du souterrain. Attendez, excusez-moi, je vérifie un truc. Oui, alors excusez-moi. Effectivement, vous avez dû le voir, mais mon écran. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais voilà, là c'est un petit peu plus lumineux. Mais j'ai flux en fait, hein, donc pour la lumière. Pour la lumière bleue. Bon, attendez. Non, il. Ça a l'air d'être sous terre, les boss. Faut que j'arrive à aller sous terre, visiblement. Par où je passe? Ah, après, j'ai vu les grenades, là. Alors, j'ai vu les grenades, et par contre, ici. J'ai Valdune ici. Est-ce que je peux me poser là-dessus? C'est solide. Si je peux me le faire comme ça. Oh, cette arnaque. Oh, cette arnaque. Oh, cette escroquerie. Oh, je suis un escroc. Je suis un enfoiré. Je suis un enfoiré. Ok, j'ai. C'est magnifique. Ah, c'est beau. Ah, cette exploitation du game design. Aïe 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 aïe, c'est magnifique. Ah, c'est beau. Ah là là, sur ce coup, je suis quand même une belle raclure là. Ok, alors il a régénéré une partie de sa vie parce qu'il. Parce que vu qu'il arrivait pas à m'atteindre, il est retourné à sa place, mais. Ah, je suis une raclure. Une belle raclure. Bon. Oh, écoutez, hein, le jeu il propose, je prends, hein. Et je bute les deux autres qui au passage, hein, je vais pas me priver, hein.
La branche sur laquelle je suis aurait pas été solide, c'était foutu. Mais là, je dois avouer, c'est beau. C'est magnifique et complètement legit. Par contre, pas de loot. Ok, zéro loot. Ok, sur ce point-là, j'irai me faire voir. Mais voilà, au moins, j'ai tué le premier boss. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon. Sinon, les autres, ils ont l'air d'être sous terre. Alors, est-ce qu'il faut que je passe par là? C'est pas impossible. Non. Ici, c'est juste un trou. Ici, c'est juste un trou. Mais il y a l'air d'y avoir, par-ci et là, quelques galeries. Alors, est-ce que, par exemple, cette galerie-là amènerait pas... Oui, ok. Donc, il y a un boss là, mais par contre, il y a pas mal de mobs. Donc, on va... Ok, c'est les fameux glisseurs. Ok, alors ils ont peu de vie. Donc ça devrait le faire. Par contre, faut que je les bute vite. Et de toute façon, à ce qu'ils puissent pas repopper rapidement. Pour que j'ai tout le temps de buter leur reine. C'est bon, ça se fait, ça se fait, ça se fait. Ça se fait tranquillement. Et donc je peux revenir ici pour buter ces enfants qui reviendraient. Et donc, ok. Et donc il faut que je trouve une autre galerie où se trouve le dernier boss. Le Bad Godf là. Mais il y a une galerie. Il y a une galerie. Faut juste la trouver. Non? Ah non, il n'y a pas de galerie. Il est juste là quelque part. Il est là. Alors la question c'est est-ce que je peux l'aggro sans aggro les autres? On les occupé. Je sais pas. On teste et puis au pire j'utilise mon deuxième démon. C'est pas. Ouais, ok. Allez, hop. Deuxième démon. En plus, bon, j'ai pas vu, mais mon marcheur il est quasiment vie et qu'il est quasiment mort en fait. Tant pis, hein, je le réinvoquerai en cours de combat. Ça c'est pas grave encore. Bon, allez. Ouais. Hop, on va réinvoquer. Je suis mal, je suis très très mal, je suis très très mal. J'aurais dû utiliser ma pierre de vie. Encore des pierres de soins.
Ouais, j'y pensais pas, mais j'ai des pierres de soin. Bon, là c'est bon, il est tout seul. Je peux le pomper. Et puis vu qu'en plus c'est mon machin du vide qui a l'aggro. C'est bon, ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Machin du vide, il a pris cher, mais je n'ai pas de cible. Ouais, le truc c'est qu'ils font buter 25 là. Wow. Il y a beaucoup de monde là. Moi je veux bien distribuer des mistres, mais hop, au bout d'un moment. Quand vous êtes trop nombreux les gars. Je suis en dehors du champ de vision. Ouais, c'est parce que ça, c'est parce que mon second démon l'a aggro, donc évidemment, il considère que je suis encore en combat. J'ai vu un laser partir tout à l'heure de mon deuxième démon vers lui, donc bon, c'est pas grave, je vais le buter. Mais sinon, je peux pas prendre mon envol, c'est chiant. Là, je peux voler. Bon, les grenades. On va juste regarder aux grenades rapidement, mais il me semble en avoir vu là-bas. Mais est-ce qu'il y en a? Il y en a là-dedans. Alors, oui, on a là-dedans, mais ils sont nombreux aussi là-dedans. Donc, on va peut-être voir. Mais non, mais sérieux, c'est protégé par un élite, mais il a 14 points de 14 000 points de vie. Allez. Oh non, mais il y a deux élites là, c'est quoi? C'est quoi ça? Hey, interrompu, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, interrompu.
Ok, il s'est fait mon marcheur, mais ça je m'en doutais. Ça c'était à parier quoi. Hop, ok. Allez, on fait tout péter. D'accord, ok, je peux balancer. Ok, alors j'en ai balancé 3, mais le truc c'est que je peux en balancer sur les autres. Par contre, dès que je prends, il faut que je me magne parce qu'il y a un minuteur. Est-ce que ça repop ou est-ce qu'il faut absolument que j'aille en choper d'autres? Pour être franc, j'ai pas envie de rester ici, hein. C'est dangereux, hein. Je vais bouger. Je vais bouger. Et au pire, je reviendrai ici si je trouve pas d'autres d'autres grenades. Mais à mon avis, mais en tout cas, tout est faisable. Ah, là il y en a, là il y en a des grenades. Je vais tirer une monture, hop. On avait qu'une. Ouais, puis bon, bah voilà, oui, en fait c'est juste pour le troll, quoi. Tu leur fais péter une grenade, ils s'en foutent un petit peu, voilà, quoi. Après, à la limite, si on balance le démon en plus, quoi, c'est bon, quoi, mais... Est-ce que si je vise pile poil? Ah, ils sont stun! Ils sont stun à l'instant. Non, bah c'est bon à savoir. En fait, ils sont stun après la grenade, en fait. Donc ça peut être pratique de les stun et puis de les attaquer. Bon, pourquoi pas. Il me reste combien? Il me reste une grenade à balancer, donc on va essayer de trouver une dernière ensemble et puis on va... Mais en fait, c'est largement faisable comme ça. Si y en a à l'air libre comme ça, c'est largement faisable. Elle est bien cette quête, en fait. C'est un peu chaud, mais... Mais ça peut se laisser faire. Ça va, c'est les 3 dernières, honnêtement, on peut se permettre d'y passer un petit peu de temps. Alors, par contre, le truc, c'est que si je balance pas assez vite, je suis sûr que c'est moi qui suis stun. Mais bon. Bon, bah écoutez, il reste... il reste quelques... Il reste une dizaine de d'orques à tuer. Et il reste 6 glisseurs. Donc moi, je propose c'est qu'on aille buter les glisseurs ensemble. Et puis on se fera les orques. Je ferai pas de hors caméra finalement là pour... Est-ce que... Ah ouais, et puis ces glisseurs-là, de toute façon, ils sont à 2000 points de vie aussi. Ouais. Voilà. Hop, allez. Les 6 glisseurs, là, je me les fais en one shot, comme ça, à l'arrache. Je dois m'approcher. Est-ce que je peux me faire le glisseur qui est là? Hop, voilà. Genre même pas je les calcule quoi. Juste les aggro et puis je laisse mon marcheur du vide et mes dots faire le travail quoi. Hop, juste lui. Je vais balancer en plus ce petit sort de zone. Et puis voilà. Alors pourquoi eux par contre... Attendez, pourquoi eux ils comptent comme des orques?
Ça a pas de sens. Ouais, puis ils ont 14 000. Ça vaut pas trop le coup de les buter par rapport à des orques qui auraient 7 000, quoi. Mais ils comptent comme des orques, eux. C'est un bug ou... Ben ouais, ils comptent. Mais ça n'a pas vraiment d'intérêt, ils ont 14 000 points de vie. Autant... Hop. Si jamais on en a gros un, au moins ça compte, à mon avis, dans la quête. C'est pour faciliter un petit peu la quête, mais... Mais honnêtement... Voilà, ceux-là, ils ont 7 000 points de vie, c'est... C'est plus facile de les aggro, quoi. Enfin, c'est plus facile de les buter, surtout. Un autre joueur qui est passé. Bon, par contre, c'est chiant, c'est ralentissement. Je pense que j'arrive au bout de mon disque dur. Ouais, je suis à 10 gigas. Ça commence à... Enfin, 10 gigas de rush. Je suis pas au bout de mon disque dur, hein, mais je pense que le rush, il commence à être gros. En plus, j'ai tourné un épisode de BBS ce matin, faut que je le monte là, avant de continuer. Enfin, avant de monter là les rushs d'aujourd'hui. Est-ce que il y a des... Alors, je peux faire ça. Me mettre au milieu de l'arène. Alors il en reste combien? Bah il en reste deux à buter, bah c'est bon, voilà. Ce sera ces deux-là. Et c'est fini. Pour cette quête. Il en reste deux à faire ici, enfin dans cette région. Mais j'espère que ça rapporte ça parce que... Hey. Bon. Ouais, 90 000. Ouais. On va dire que c'est pas cher payé, quoi. Hein. On va dire qu'on s'en contentera, quoi. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a un sous-chef là à tuer. On a des tonneaux toxiques à détruire, 3. Donc ça peut se faire rapidement. Et on a 20 mains brisées à tuer. Alors, moi je propose. Je propose. C'est quoi que je dois tuer? Le sous-chef, ok. Je tue le boss qu'il faut que je trouve. Et il est là-bas. Et on détruit les trois tonneaux. Ah oui, il y a aussi des virelocs et des virecrocs. Bon, on fait les virecrocs aussi, à la limite. Et je tue le reste à les 20 mobs là hors caméra. Alors la question c'est. Ok, donc j'en ai détruit un. Et le sous-chef, il est là. Donc on sait le sous-chef, ça c'est pas trop un souci. Et les mains brisées, je les tuerai hors caméra. Parce que sinon ça va être long. Et à la limite, ce qu'on va faire, c'est on va même aller voir la dernière quête. Et vraiment les mobs à tuer, je les ferai vraiment hors caméra, quoi.
Ok, je peux détruire le tonneau, le même tonneau qu'à l'instant. Donc ça fait 2. Mais écoutez, s'il repop vite, j'ai juste à attendre qu'il repop, hein. Parce que j'en vois pas un troisième dans les environs. Juste le... Ah d'accord, ok, il y en a un autre là-bas. Il y en a un autre là-bas. Bah écoutez, on va juste tuer ce mec-là. Ok, on va tuer ces mecs-là. J'ai demandé de l'aide, voilà. Et puis pareil, et j'y pense jamais, mais j'ai ça, hein. Ouais, j'y pense jamais, mais je peux invoquer mes guerriers. Ouais, c'est un petit massacre avec ça, hein. Oh, ils ont des pop. Ils ont des pop. Bon. Je vais me faire un petit massacre avec eux, mais bon, bah, c'est tout. On aura tué 3 personnes. Mais c'est vrai que j'y pense jamais à ce truc. Bon, on va tuer juste les 5 les villes croc. Et puis je vous dis les 20 mobs, je suis tué hors caméra. Wow. Ok, il y en a un là. Alors par contre, ils doivent avoir de la vie, je pense. Alors, il fait face à mon marcheur du vide, mais il a pas l'air de lui faire de dégâts. Parce que c'est les mêmes hydres que... Ok, c'est parce que mon marcheur du vide, évidemment, il a pris l'aggro. Enfin, il lui a ordonné de prendre l'aggro, mais en soi, il a pas d'IA. Comme les hydres qu'on a vu à Grand-Gron, donc, et ben, ça va se faire simplement, hein. Parce qu'il attaque pas, il inflige pas un seul point de dégâts à mon marcheur. Bon, hein, par contre, toujours rapia au niveau des loots, hein. Ça change pas. Ouais, alors ça par contre c'est chiant parce que s'il aggro les autres cons. Ça va. Et là, limite, j'aurais plus envie d'invoquer ma succube là, qui fait plus de dégâts que mon marcheur. Ça nous en fait 2. Tiens, il y a quoi par là? Il va y avoir un accès en dessous. C'est assez bizarre. Bon, allez, et pour les buter, je vais plutôt réinvoquer ma succube parce que. Je dois d'abord choisir une cible. Non, mais sinon il s'en fout, hein. Il s'en fout, mais complètement, quoi.
s'en balèque. C'en est limite insultant en fait. C'est ouf comment ça, ça, ça... Tu te dis putain mais ils s'en foutent quoi. Ou alors ils sont vraiment dépressifs au point de dire vas-y bute-moi j'en ai plus rien à foutre. Oh putain c'est horrible. Autant avoir des mobs qui tapent à 2000 et qui font chier, c'est une chose. Mais alors, quand les mobs s'en foutent complètement, c'est limite pire, quoi. Bon, allez. Ouais. Grosse victoire. Bon. Non, je suis pas salé. Bon, je reviendrai ici pour buter les 20 mobs qui manquent. On va aller voir. Ah bah, on peut voir d'ici ce qu'il y a. Ok, donc il faut retuer... il faut retuer 15 mobs là-bas. Et on a 3 boss. Et il faut libérer 6 mobs. Donc moi, je propose, c'est voilà. Je bute hors caméra les 20 mobs qu'il y a ici. Et les 15 mobs, les 15 sabrons ici. Par contre, là, ce qu'on va faire tout de suite ensemble, c'est les 3 boss qui est en bas. Et libérer les 6 collaborateurs. Au moins, voilà, on voit ce qu'il y a de plus intéressant, entre guillemets, voilà, de ces quêtes. Et on laisse le farming de mobs quoi hors caméra quoi parce que au bout d'un moment voilà quoi on sait à quoi ça ressemble quoi enfin vous savez à quoi ça ressemble quoi. Attendez, j'ai vu un truc. Alors, faut que je me méfie parce qu'il y a un boss pas loin, mais là... Que voulez-vous ? Ouais... Mince, pourquoi je suis descendu ? Ah non, mais t'as pas 2000, hein. Je te dirais rien. C'est un des boss de Draenor, mais il tape à 2000, le mec. Parce qu'il y en a hein, souvent des mobs avec des étoiles là, mais... Il m'a aggro de loin en plus quoi, enfin... Bon c'est bon, il est mort mais... Ouh, bah j'ai gagné un point de fidélité pour l'avoir buté. J'ai une faux épouvantable, mais de toute façon, elle est forcément moins bien que mon arme prodigieuse. Et fait chier, j'aurais dû m'envoler plutôt que... Bon. Continue. Mais c'est parce que j'ai vu qu'il y avait un membre de fief à prendre. Enfin, fallait, on pouvait recruter un mec. Pourquoi ça rame ? Port austral. Wow, la galère. Je sais pas ce qu'il y a dans cette zone, mais ça galère. C'est
C'est ici? C'est ici. Ok, qu'est-ce qu'il y a à faire? Oui, donc il y a les trois boss, il y a les... Voilà. Alors, j'ai croque brisé là. Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc déjà, il y a lui. Donc pareil, réinvocation... Oh, c'est pas vrai. Il y a les autres cons qui viennent faire chier. Tiens, allez, hop, occupe-toi de ça. Bon, ça, ça loot au moins. Ok. Donc, on a un des boss. Il y a les prisonniers aussi. Ils sont là, ils sont... Oula, ok. Alors... On va tout de suite vérifier ça. Oui, alors vous êtes sur une monture, ok. Ok, ça c'est scripté par contre. Donc ça c'est cool. Ouais, ok, je me suis dit mon marcheur il était parti ailleurs, mais non. Bon. Donc ça c'est scripté. Ça c'est plutôt cool. Donc on peut envisager de faire ça en même temps. Et les derniers, il y en a un là. Et ça a l'air d'être la balle le dernier. Non, là-bas. Ok. Ok. Donc ça, c'est fait. On va aller s'attaquer au boss qui est là-bas. Qui a l'air bien gardé. C'est Ralchar, hein, c'est ça, c'est Ralchar. C'est ce mec. Non, ce mec. Alors, j'ai de quoi invoquer, si jamais j'aggro les autres mobs, j'ai de quoi invoquer mon deuxième démon, ainsi que mes secours de fief. Donc, hop, c'est parti. Je crois qu'on va faire ça. Allez, hop. Oula, ça lag un peu. C'est bon, comme ça je me suis fait les deux autres. Et puis bah je vais en profiter hein, tant que les autres sont là. Voilà, tant que j'ai les secours.
Ouais, sauf que je les ai plus. Sauf que je les ai plus. C'est bon, ça se fait. Ok. Et ben il reste plus que Ombre Griffe. Et puis on a fini les boss. J'ai l'arbre en sélection. Hop. Et comme ça, il ne me restera plus que les mobs à tuer. En caméra, et quand on... Et là, on finit Draenor niveau 109. J'espérais qu'on le finisse niveau 110, mais on finira niveau 109. On pourrait encore faire 2-3 quêtes, hein, mais ça n'a plus aucun intérêt à ce niveau. C'est ce mec-là, non? Non. Non, non, il est où? Attendez, là, j'y fais face. Il est là. Ok. Il a l'air d'être faisable en plus sans aggro les autres. Non. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, là maintenant je vais me concentrer sur le boss. Et après je bute les 5. Ouah, il y en a que 5. Qu'est-ce que je fais? Je coupe vraiment? J'ai vraiment besoin de couper pour. Bon. On va se les faire rapidos. Hein. Allez. Il en reste 5 à buter, on va les faire rapidement. Je coupe pas pour ça. Ouais, ça drop des fourrures somptueuses aussi ça, faut faire attention mais... Allez, un dernier. Ouais, peut-être pas celui-là. Oh, c'est pas vrai, j'en accro. Oh, d'accord, ok. Bon. Ça va, honnêtement je tiens. Hein. Face à une heure et demie, je tiens bien. Hein. Parce que là, c'est... C'était chaud. C'était chaud, c'était chaud. Par contre là j'ai du stuff à vendre. Hein. Oh, purée. J'ai du stuff à vendre. Bon, bah, il reste les 20 et demi tout en haut là. Comme ça, ben...
Bah c'est tout, hein. Donc eh ben, je coupe, je les bute et on se retrouve juste au moment où je buterai le dernier. Comme ça voilà, on finit Draenor sur ça. Et on file après à Dalaran. A tout de suite. Bon voilà, c'est le dernier. Ça aura pas duré trop longtemps en fait, mine de rien. En fait, j'ai surtout aggro pas mal de monde et puis j'ai utilisé mon appel aux armes et mon deuxième démon arrivé un moment. Et j'ai buté 6 ou 7 mecs d'un coup. Donc, enfin d'un coup, pas d'un coup, mais... Mais en une salve, quoi. Bon, bah voilà. Et puis un nouveau fait. La combe hurlante. Attendez, il manque une... Il y aurait encore un truc ici. On a eu le truc, mais il l'affiche pas. On va jeter un œil à ça. On va jeter un œil à la combe hurlante. Si ça se trouve... Il y a encore une zone là-bas. Il y a des endroits, ça galère. D'accord, il y a toute cette zone là, il y a plein de zones que j'ai pas visité. Bah décidément. C'est étonnant qu'il m'ait accordé la l'exploration de la flèche d'Arak avec avec autant de zones qui n'étaient pas découvertes. Donc eh bah oui. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Eh ben, on a encore une zone, les amis. On a encore une zone. Donc on a des yeux à détruire. Donc visiblement, ça a l'air d'être ça. Ok, j'ai eu des yeux, mais non, c'est des œufs. Autant pour moi. Donc on a des œufs à détruire, on a des orques à tuer. Bon, il y en a 15, ça je les tuerai hors caméra. Et on a 4 boss. Non, en fait, ce sont des rituels à interrompre, mais on a compris l'idée. C'est pas scripté. C'est pour ça que le haut fait a quand même été attribué. C'est parce que c'est pas scripté ici. Parce que je me suis dit pourquoi on a le haut fait s'il reste une zone. Mais ouais, c'est parce que ce n'est pas scripté. Messieurs, dames. C'est tout, hein. Si c'est pas scripté, c'est pas scripté. Hein. On va pas tergiverser ça 500 ans. Non, je comptais prendre la fly pour le fief, mais en fait non, c'est pas ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est très simple. On va prendre notre pierre de foyer de Dalaran et... Mesdames et messieurs, nous quittons Draenor pour Légion.
Donc, je ne sais pas comment tombe la coupure de cet épisode. Donc, soit on est là à la fin de l'épisode, plutôt à la fin de l'épisode, et dans ce cas, vous aurez le timelapse de Légion mercredi prochain. Soit on est là au début d'un épisode, plutôt dans le début d'un épisode, et vous aurez eu le timelapse mercredi dernier. Pour vous, mercredi dernier. Voilà. C'est un peu comme ça que je procède. Ça dépend où tombe là cette ce moment. C'est long à charger. Pourtant, Dalaran, j'y suis déjà allé plusieurs fois, mais. Eh ben, c'est long là. Toc toc toc. Attendez, j'en profite, hein, je regarde un petit peu. Ok. Non, là c'est officiel. Mon disque dur galère. Bah écoutez ce qu'on va faire. Moi je coupe là, de toute façon pour cette session de tournage. Et on attaquera Légion pour moi à la prochaine session de tournage. Voilà, on va faire ça plus simplement. Et ben sur ce, je vous dis à plus tard, mais on doit être en plein milieu d'un épisode. A tout de suite pour vous et à plus tard pour moi.